Hey, tu sais quel jour on est? Bah oui, le vendredi 1er décembre. Hey, tu sais ce qu'il faut savoir? Vendredi, c'est ravioli. T'es con, aujourd'hui c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Oh, encore une journée, on va nous parler de séropos, de séroneg, de VIH, de sida. On doit tous être informés, jeunes, moins jeunes. Le sida est une maladie présente et on a toutes les chances de ne pas l'attraper. Si on sait qu'elle existe et qu'on utilise tous les moyens de prévention et de précaution. Le vrai risque, c'est la méconnaissance et le déni. La meilleure chose, c'est de se faire tester. Il faut connaître son statut sérologique, c'est important. Si on est séronégatif, il faut le rester. Et si on est séropositif, il faut se soigner. Après, quand on est dans un couple stable, la personne séropositive doit être traitée pour réduire le risque de transmission au sein du couple. On utilise le préservatif si on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on ne s'est pas fait tester. On préconise toujours le préservatif, même si maintenant, c'est plus la seule arme qu'on a face au VIH. Le VIH est le virus de l'immunodéficience humaine et il se transmet par le sang et les rapports sexuels non protégés. En moyen de prévention, nous avons aussi la PrEP. La PrEP est un protocole avec un suivi médical et des analyses régulières. Pas d'analyse, pas de PrEP. Pas de bras. Pas de chocolat. Un dépistage régulier permet de plus vite détecter, on le prend en charge. Plus la charge virale diminue, moins on a de chances d'attraper de maladie. Dépistez-vous régulièrement, c'est important.